Entre. Départ imminent pour ce 8e rendez-vous, le prix Hiroshima. Ils sont tous bien collés derrière la voiture. Le Nox d'Espagne va venir un petit peu plus lancé côté corde. Et c'est parti pour ce 8e rendez-vous avec un excellent départ. Un très bon départ même pour le numéro 8, Playboy de rêve, accompagné côté corde par le numéro 3. Kamukana Vreitot qui ne semble pas vouloir garder le commandement, qui veut laisser faire le favori dans un premier temps. Prestigious SB n'a pas loupé sa mise en jambe aujourd'hui, elle vient en troisième position, elle qui termine en code final à 2,80 €. Une cassure ensuite pour retrouver le numéro 2, Class Hunt, Myrthe des Bois et Nox de Spani qui ferme la marche de ce petit peloton. Playboy de rêve au commandement, suivi de près par Kamukana Vreitot. 3-4 longueurs plus loin, on retrouve Prestigious SB qui emmène le reste du peloton, suivi par Class Hunt, Myrthe des Bois et Nox de Spani qui a du mal à suivre le rythme imposé par les premiers. Dans un premier temps, le peloton va se reformer dans la ligne d'en face. Ils sont une nouvelle fois en file indienne. Tous à la queue leu-leu, les uns derrière les autres. Playboy de rêve, le grandissime favori qui anime l'épreuve, qui reprend l'allure avec Günther Loax pour aborder ce deuxième virage. Kamukana Vreitot en deuxième position. Prestigious SB, le 4 ensuite. Suivi par le numéro 2, Class Hunt, on tente de quitter l'arrière-garde avec le numéro 1, Nox de Spani, lui qui a recollé, qui forme très timidement le wagon, la deuxième épaisseur depuis l'arrière-garde. Pour sortir du deuxième virage, Playboy de rêve toujours en contrôle, qui fait ce qu'il veut pour l'instant en tête de course, il n'est pas attaqué avec Günther Loax. Dans son sillage, toujours Kamukana Vreitot, Prestigious SB qui semble s'annoncer, Class Hunt qui brûle un petit peu la politesse au numéro 1, Nox de Spani qui est poussé en troisième épaisseur, Prestigious SB qui se décale également, le peloton se reforme, Playboy de rêve toujours en tête à 1 km du but qui commence à allonger le tir, Kamukana Vreitot dans son sillage, on tente de venir à leur extérieur avec Prestigious SB et Michael Nimzik qui s'annonce tranquillement, toujours suivi par Nox de Spani, Class Hunt ensuite et Myrthe des Bois qui vient sur un troisième rang côté corde, le numéro 5. 750 mètres à parcourir pour Playboy de rêve qui allonge ses foulées, qui déploie ses grandes battues en tête de course, toujours pas rejoint, pas accompagné, seul en tête. Prestigious SB qui commence à être lancé par Michael Nimzik, le casque d'or allemand. Dans leur sillage direct, c'est toujours Kamukana Vreitot qui a été débouché par Jules Willem. Ce Nox de Spani voyage bien à présent en 4e position, toujours suivi par Class Hunt et Myrthe des Bois également. Playboy de rêve qui accélère, qui se détache, qui prend une ou deux longueurs d'avance sur Prestigious SB qui fait l'intérieur. Michael Nimzik l'a débouché les oreilles. Playboy de rêve qui profite de la fin de la cour pour se sauver. Il prend 2-3 sulky d'avance sur Prestigious SB en deuxième position. Nox de Spani troisième. Class Hunt qui s'annonce au moins pour les places. Kamukana Vreitot semble battu pour la victoire. Playboy de rêve qui se détache encore. 4-5-6 sulky d'avance pour lui qui va renouer avec la victoire après un échec. La dernière fois, une troisième place. Playboy de rêve aux abords du poteau qui a course gagnée. Il reprend sa série de victoires. Le 6 s'impose devant l'As Nox de Spani. 3e place pour le numéro 2, Class Hunt. 4e, le 4, Prestigious SB. Balade de santé pour Playboy de rêve qui retrouvait Günther Loax à son sulky. Très belle 2e place pour Nox de Spani qui est parti pourtant très prudemment, qui a longtemps voyagé à l'extérieur, qui ensuite a pu trouver un dos avec Prestigious SB. Se classe très bon 2e. 3e place pour le numéro 2, Class Hunt. Et 4e place pour Prestigious SB. Une 14-3 pour Playboy de rêve malgré un temps mort à près 800 mètres de course. On revoit la ligne droite. Playboy de rêve qui avait déjà course gagnée à 1000 lignes droites. Günther Loax qui retourne la cravache. Au poteau, c'est facilement gagné par 7-8 longueurs devant Nox de Spani qui a bien prolongé l'effort pour conserver cette 2e place. Et 3e, le numéro 2, Kamukana Vreitot. 6, As 2 et 4 pour notre 8e rendez-vous. On se retrouve dans quelques minutes pour notre 9e et dernier rendez-vous avec encore une fois 6 compétiteurs.